par Raoul Alibre, le média indépendant du Pays Niçois. On va vous dire bien fort, monsieur Didier Pigard. Alors, écoutez, on est très heureux, Didier, on est très heureux de vous recevoir. Merci, moi aussi. Comme on dit, vous êtes un jeune ancien, vous n'avez que 31 ans. Exactement. Donc encore un petit peu de carrière. Moi, je suis un jeune tout court. Oui, un jeune tout court. Mais c'est vrai que dans un article, vous avez dit que vous étiez un jeune ancien, parce que c'est vrai qu'on reçoit des anciens joueurs. Mais... Et donc, alors on va commencer par retracer le début de votre carrière. Donc, vous êtes né le 12 juillet 86 à Gisors, donc c'est en Normandie, dans l'Eure. C'est ça. Et puis, alors, parlez-nous un petit peu de votre enfance. Vous avez commencé à jouer, je crois, à l'âge de 5 ans au foot. Oui, c'est ça, j'ai commencé dès que ça a été possible, dès qu'il y avait de la place. Je me suis inscrit directement, je jouais tous les jours, je jouais avec mes amis dehors, en club. Il n'y avait pas une journée sans jouer. Et puis à l'âge de 12 ans, vous rentrez au centre de formation du Havre. C'était le club phare en Normandie à l'époque. Il y avait Caen aussi déjà, mais bon. Non, le plus proche c'était Paris. Mais mon père n'a pas voulu que j'aille au PSG. Que j'aille voir. Les éducateurs étaient très bien parce que quand on envoie un enfant aussi jeune que ça, au-delà du foot, il y a l'homme qu'on doit construire et c'était très bien encadré au Havre et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Alors donc vous jouez, après vous intégrez l'équipe 1 du Havre, hein, en Ligue 2, donc vous faites 3 saisons en Ligue 2 et puis là vous quittez le Havre en juillet 2007 et vous êtes recruté par le PSG. Hein, qui avait déjà à l'époque une belle équipe, hein, malgré tout, parce qu'il y avait notamment, on va citer quelques joueurs de l'époque, Michael Landreau, Mamadou Sakho, Mario Yepes, Jérôme Roten, Pedro Miguel Pauleta. Et donc je crois que c'est Alain Roche qui vous fait venir, c'est ça? Entre autres avec Paul Le Guen, enfin c'était lui, il était en recrutement, je crois, Alain Roche. Oui, c'est ça, Alain Roche, oui, à l'époque, il était, je ne sais même pas la fonction exacte, si c'était directeur général, mais oui, il était en charge du recrutement, et Paul Le Guen était en tête gauche. Alors donc, vous faites une belle saison avec le PSG, vous gagnez notamment la Coupe de la Ligue. Oui, on gagne la Coupe de la Ligue, on part en finale de Coupe de France, on perd contre lui. Mais au championnat, par contre, ouais, ça a été plus compliqué. Mais bon, pour une première année en Ligue 1, gagner un titre, c'était sympa. Et puis alors là, vous êtes encore jeune, mais vous partez pourtant deux saisons à Middlesbrough, en Angleterre, bien connu pour son ambiance festive, la ville, hein, je parle. Ah bah, je pense que l'Angleterre ça fait rêver beaucoup de monde, c'est une opportunité qui est arrivée, elle est arrivée un an plus tôt, j'avais préféré rester à Paris. Enfin rester en France, à Paris, voilà, je me rapprochais de chez moi. Et puis la deuxième année finalement, j'ai cédé et voilà, j'ai connu l'Angleterre et je suis bien content. Et donc vous faites deux saisons à Middlesbrough. Et par contre, une saison un petit peu mi-figue mi-raisin, parce que vous êtes blessé au ligament, hein, ligament du genou. Hein. Ouais, c'est ça, sur un tacle au mois de février, et j'ai pas pu rejouer après de la saison. Hein. Alors, vous me racontiez un petit peu que ça a été difficile malgré tout au niveau humain, parce que c'était pas très chaud là-bas. Et puis, je crois que votre fils était, ça vous avait choqué, votre fils était allé à l'école en uniforme, c'est ça? Ouais, c'est la culture anglaise, c'est comme ça, il n'y a pas de différence vestimentaire, donc tout le monde va à l'école. Avec l'uniforme, mais ça n'a pas l'air de l'avoir choqué, mais là il se porte bien, et ça va. Et puis alors donc, on va arriver enfin à Nice, donc je crois que c'est Didier Olinicol qui vient vous voir, qui à l'époque entraînait le gym, qui vient vous voir en Angleterre et qui vous a convaincu de venir à Nice. Oui c'est ça, il est venu pendant les vacances, nous on n'a pas de coupure à Noël en Angleterre, donc... On était en compétition et lui il est venu quelques jours avec sa femme. Moi, il est allé à Newcastle, il n'est pas venu à Middlesbrough parce que c'est beaucoup plus vivant à Newcastle. Et donc vous arrivez à Nice, donc on s'en souvient, c'était très hivernal, mercato d'hiver comme on dit. Oui. À l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais bon, donc en janvier 2010. Et puis, par contre, une saison un petit peu, cette demi-saison un petit peu difficile au niveau classement. Hein. Au niveau de... Ça a été difficile, surtout au début. Tout le mois de janvier, on avait beaucoup de joueurs qui étaient à la Coupe d'Afrique, donc on a eu du mal à prendre des points. Ensuite, malheureusement pour Didier,
Olé Nicole, il a été écarté. Oui. Il a été écarté, Eric Croix, René Marsiglia. Et Fred Jorian ont repris l'équipe. Et à partir de là, c'est ça. À partir de là, on a fait une très grosse série et on s'est maintenu assez facilement. Et c'était d'ailleurs, alors à l'époque, c'est Loïc Rémy qui a été meilleur buteur, hein, 14 buts cette saison-là. Il y avait Julien Sablé, qui est en train de Saint-Etienne maintenant. Eric Boulungui, on a reçu récemment, Mamadou Bakayoko, Emer Sfaye, qui entraîne aussi au club en 2017, Chouki Ben Saada, Habib Bamogo, David Elbuic, et c'est le dernier match aussi de Olivier Chouafny. C'est ça, ouais. Le dernier match de la saison, c'était le dernier match d'Olivier Chouafny, qui était une personne très importante au club, qui a beaucoup donné, beaucoup transmis, et voilà, j'ai pu participer à ces derniers moments sous le maillot niçois, et je l'ai vu prendre sa retraite. Ouais. Il a entraîné notamment les féminines depuis l'équipe de France. C'est ça, oui. En plus, il a entraîné en Ligue 2. Ouais. Et puis, le lendemain, vous vous souvenez de cette dernière saison, puisque, enfin, cette première saison, première demi-saison, puisque le lendemain, vous avez votre fille qui naît, c'est ça? Oui, ouais. Voilà. Elle a bien grandi, elle est là. Voilà, elle a attendu que le match se termine le lendemain pour arriver, quoi. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de... Je suis arrivé une demi-heure en retard parce qu'elle était à Paris, donc j'ai pas réussi. Même le premier vol, j'ai pas... D'accord. Oui, je crois que vous êtes papa d'ailleurs de 5 enfants. C'est ça, ouais. Félicitations, il y a beaucoup de grandes voitures, alors. Oui, ça va. Enfin, on se déplace à 2 voitures. On a quand même aussi 2 enfants, donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, ça fait une grande famille. Ouais. Hein. Vous avez été papa assez jeune, je crois, d'ailleurs, ça vous a... C'est ça. À 16 ans, hein. Oui, 16 ans et demi, ouais. Très précoce d'avoir cet enfant assez, aussi jeune, et ça vous a mis devant des responsabilités aussi quand on a un enfant. Oui, j'ai des enfants tôt. Alors on va repasser sur la saison du gym, hein. On a fait un petit aparté. Alors vous m'avez parlé d'une anecdote, notamment le discours de René Marsiglia au début de la, quand ils ont repris les fonctions avec Eric Rand. Oui, ça a été un moment très marquant. René était déjà malade à cette période. Il avait pris du repos, enfin il avait quitté son poste pour soigner sa maladie. Et quand Eric Roy l'a appelé, sans hésiter, il est venu. Quand on sait la maladie que c'est, est-ce que ça demande le travail qu'il y a à fournir et l'envie qu'il a mis dedans, c'est sûr que ça a été quelque chose de très marquant pour nous. Alors deuxième saison au club, donc là on a quelques arrivées, notamment Renato Civelli, David Ospina, Daniel Duboya, Nemanja Pesinovic, là on va retrouver prochainement, et donc c'est Eric Roy qui est toujours entraîneur. Hein. Et donc là c'est pareil, on se maintient difficilement, on se souvient on se maintient la dernière journée. Vous vous souvenez un petit peu de cette saison un petit peu galère où effectivement on perd à Valenciennes et on se maintient la dernière journée de Ligue 1, notamment parce que Lyon va gagner à Monaco, quoi. Oui, c'était pas un match évident parce que Lyon, on savait que leur entraîneur c'était Claude Puel, qu'il serait démis de ses fonctions aussi à Lyon, qu'il a beaucoup travaillé et joué à Monaco. Donc on pouvait se poser des questions. Après, la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait Golioris dans les buts. Donc ça nous aidait, mais au final, malgré tout, Lyon devait gagner pour assurer la Ligue des Champions. Voilà, donc il n'y a pas eu d'arrangement, puisque en fait Lyon a joué le jeu et a gagné ce match, heureusement, puisque nous on perd l'ancienne. C'est ça, ouais. Donc c'est un peu... on se maintient, mais bon, c'est vrai que dans les têtes de ce match, en perdant le dernier match, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est très dur, les vacances sont difficiles. Vous m'avez dit que vous aviez dormi beaucoup pendant les vacances, pour remettre c'est, de ces émotions. C'est épuisant au final, qu'on joue... Mais même quand on joue le haut du classement, à partir du moment où il y a de l'enjeu jusqu'au bout, c'est usant parce qu'il y a beaucoup d'attentes et ça demande beaucoup d'investissement. Alors vous me disiez aussi que Eric Roy avait perdu à Paris, mais je crois que c'était la saison précédente, non? Quand il a repris l'équipe, il nous avait mis au défi de faire une série. Et c'est chose qu'on a fait. Je pense qu'on est resté 13 matchs, je crois, sans défaite, et on allait au restaurant, c'était bien sympa. Ça lui a coûté un petit peu cher notre série. Ouais. Surtout, vous aviez choisi Monaco, je crois, comme restaurant. Exactement. Alors, troisième saison au club pour vous, donc, et là, donc, arrivée de Jean-Pierre Rivert qui prend la présidence du club.
Donc vous étiez notamment prêt à l'époque, et donc vous me disiez que le président vous avait appelé pendant ses vacances pour vous proposer un contrat. Oui, quand le président est arrivé, c'est la première année où je me suis réellement engagé avec le club, où j'appartenais au club. Les deux fois précédentes, c'était sous forme de prêt, et là j'avais signé un contrat avec le club. Et alors, à l'époque, donc on va citer un petit peu les joueurs qui sont arrivés avec vous, hein, dans l'effectif, Fabrice Abriel, Fabien Meriem, Fabien Monzon. Et là encore, une saison un petit peu difficile, puisqu'on se maintient dernière journée, victoire à Lyon encore, 4-3. Hein, c'est ça, je me souviens du... Finalement, disons qu'on n'était pas... On était menacés sans l'être. Voilà. Ouais, il y avait beaucoup d'équipes qui se tenaient en quelques points, mais bon, on était, malgré tout, on était au-dessus et on a fait des choses, mais il aurait vraiment fallu... C'est un petit peu de circonstances. Voilà, exactement, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. On finit 13e finalement. Voilà. Et puis, c'est l'année où vous avez été élu aussi capitaine, puisque c'est les joueurs du vestiaire qui vous ont élu, c'est ça, hein? Oui, quand en début de saison, le coach avait décidé de procéder de cette manière-là, que ce soit les joueurs qui élisent le capitaine, et il m'avait élu capitaine à l'époque. Alors, votre sentiment un petit peu aussi à ce moment-là, quand vous avez vu arriver cette nouvelle équipe, donc vous disiez que le président avait un discours assez clair en disant qu'il n'allait pas révolutionner tout du jour au lendemain. Comment vous avez ressenti que c'est arrivé et comment ça s'est passé? Déjà, je pense que c'est une chose intelligente de ne pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. C'est un club qui a une histoire, une manière de fonctionner, et on ne peut pas tout chambouler d'un coup. Donc ils l'ont fait petit à petit, on voit aujourd'hui que ça porte ses fruits. Et puis donc on arrive en 2012-2013, donc c'est la dernière saison au Real, parce que vous avez vu beaucoup de choses, à l'arrivée du président, la dernière saison au Real, entre le nouveau stade, enfin tout ce qui était les grandes choses de ces dernières années, donc c'est la dernière saison au Real. Arrivée de Claude Puel, alors comment ça s'est passé Et puis arrivée de quelques joueurs, alors je vais citer les joueurs qui sont arrivés, on se souvient bien sûr d'Eric Othéac, Timothée Colosseggiac, Valentin Exeric, Darius Vitalic aussi qui nous met quand même 19 buts, donc qui nous permet, entre autres, avec cette équipe de copains, de faire une belle saison. Oui, non, on a fait vraiment une très bonne saison. Au-delà des résultats, on avait proposé un très bon football, et puis que ça se passe lors de la dernière saison, où tous les supporters remplissaient le stade à chaque match pour vivre ces derniers moments dans ce stade mythique, ça a vraiment été quelque chose de très important pour moi. Puis c'est vrai qu'on termine quatrième, on se souvient de cette quatrième place qui nous permet de jouer la Ligue Europa l'année suivante, dans le nouveau stade notamment. Alors vous vous souvenez, Arsi, vous avez parlé d'une anecdote, je crois que c'est le match contre Lyon avec les grosses pluies. Vous étiez dans le vestiaire, vous avez fait une blague à Claude, je crois, à Claude. Ah oui, quand on joue Lyon chez nous à quelques journées de la fin, on peut revenir sur eux, ils sont troisième. Et donc c'est les matchs où tout le monde doit jouer en même temps, et il a fallu que ça tombe à Nice, qu'il y ait eu le déluge, on n'a pas pu jouer, on a dû remettre ça au lendemain. Et le coach avait espoir qu'on puisse s'entraîner, et du coup quand on arrivait au stade, on avait trouvé des palmes, des peignoirs et tout. Donc, quand il est arrivé dans le vestiaire, on était tous déguisés. Masqué tout bas aussi. Masqué tout bas, je crois, j'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux. Ouais, on avait des plongeurs, des gens qui aiment la pêche. Donc. Alors donc ça c'est pas tout à fait la dernière durée, puisqu'on rentre, on se souvient qu'on est rentré en septembre en fait, il y a eu quelques matchs encore, 2-3 matchs encore au vrai, je crois, exactement, avant de rentrer dans le nouveau stade. 3, ouais, c'est ça. Hein. Et après, donc l'année suivante, donc 2013-2014, donc Claude Puel est bien sûr toujours l'entraîneur, arrivé notamment dans l'équipe 1 de Mathieu Bonnemer, Nathalie Sbendi, et puis donc il y a cette entrée dans le nouveau stade, donc 22 septembre 2013, vous vous souvenez un petit peu de le premier match, hein, 4-0. Comme Valenciennes. Valenciennes, oui. Ouais, je me souviens parfaitement. Vitalik, Gautier, je sais plus. Rosetti. Rosetti, oui. Ah, c'est vrai. Ah, pas la CSC, non, je sais plus. Quelqu'un se souvient du quatrième but? Dario, le premier but, tu sais. Oui, Dario, Gautier, Rosetti, et puis Lucas. Celui qui trouve. Ah, et Emric? Brux. Voilà. Heureusement qu'Emric est là. Merci, Emric. Et donc, voilà.
Et donc, alors par contre, cette saison-là, effectivement, après, on a un peu un creux. Vous êtes d'ailleurs, vous êtes blessé au volet. Ouais, et on termine 17e. Un peu plus compliqué. On se fait sortir au tour préliminaire de Ligue Europa. Ça a sûrement mis un coup à tout le monde. Après, on fait une belle entrée dans le stade, mais on n'a pas enchaîné. C'est une saison où il y a eu pas mal de défaites, et malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur. Voilà, vous avez quelques clubs plusieurs grands clubs qui s'intéressent à votre profil, hein, notamment Bordeaux, Lyon et Marseille. Donc, mais vous choisissez vraiment de rester à Nice. Mais quand on a tout ce dont on a besoin et qu'on croit à quelque chose, on n'a pas, le besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, j'en ai pas ressenti le besoin. J'étais bien ici, j'ai ma famille, donc je suis resté. Alors, saison suivante 2014-2015, donc on arrive notamment Jordan Amavi, après c'est des joueurs qui sont formés au club, hein, ouais. Alassane Pléa, Johan Cardinal, Carlos Eduardo, mais qui arrivent par contre. Et donc là on finit 11e, et je crois qu'il y a un match contre Lens où vous marquez qui est sur la fin, donc je crois que vous marquez un but, c'est le dernier, ouais, c'est mon dernier match à domicile. Dernier match, ouais, c'est ça. Mon dernier match ici. Parce qu'après vous quittez le club, donc en 2015 pour le Betis Séville. Une nouvelle expérience à l'étranger. Je crois que c'est Pépé Mel qui vous a fait venir, qui était à l'époque l'entraîneur et qui vous suivait déjà, je crois. Oui, il avait déjà essayé 2 ans avant de me faire venir là-bas. Ensuite, il est allé en Angleterre, il avait essayé aussi. Voilà, comme on dit, jamais 203, il a tenté une troisième fois et ça a été la bonne. Et donc, vous faites une saison au Betis, une saison au Betis et ensuite une saison à Osasuna. Oui, prêté. Vous êtes prêté. En fait, c'est le club de Pamplune, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, manque de chance, le club redescend en Ligue 2. Donc là, vous retrouvez. Donc, du coup, vous avez décidé de rompre votre contrat, c'est ça? Non, j'étais prêté. Donc, je suis retourné au Betis Séville. Et voilà, on n'a pas trouvé vraiment d'accord sur travailler ensemble. Enfin, je voulais partir et voilà, on n'a pas trouvé d'accord. Donc, on a résilié mon contrat. Donc, là, vous cherchez un nouveau challenge. Donc, vous êtes arrêté quelques mois pour. Notamment vous soignez de une blessure. Donc là vous êtes reparti pour essayer de retrouver un club là au Mercato et vous entraînez avec la Nationale 2 de Logistique Nice. Oui, j'ai fait un entraînement avec eux, je vais m'entraîner avec eux la semaine prochaine. Avant j'ai fait la préparation physique avec Bernard Cora, qui est en charge des blessés à Nice. J'ai fait quelques séances, j'ai fait 2 séances avec l'équipe 1, ceux qui ne sont pas allés en Europa League. Et ça y est, je me sens bien, je vais repartir en janvier. Ça y est. Donc si Jim vous fait une proposition, vous réfléchissez? C'est bon, ils ont ce qu'il faut, ils ont beaucoup de monde. Alors je crois que est-ce que vous n'avez pas un regret au niveau de l'équipe de France? Parce que vous avez eu 49 sélections, hein, j'ai compté entre les U16, U17, U18, Espoir, U19, enfin bref. Et par contre, vous avez été plusieurs fois au port de l'équipe de France, mais c'était vos blessures qui ont fait que vous n'avez pas. Du coup, vous n'avez jamais eu la chance de porter le maillot bleu. Enfin le maillot bleu des A. J'ai pas réellement de regret au final parce que. Je me dis que voilà, j'ai vécu des belles choses, je me suis même entraîné avec eux. Voilà, j'ai pas joué, mais je me suis même entraîné avec l'équipe de France 1. Mais non, si je pouvais avoir un regret, ce serait plus de ne pas avoir joué la Ligue des Champions plutôt que l'équipe de France. Enfin, surtout à un moment donné où je pense que les sélections étaient un petit peu bizarres. En fait. Oui, ça, on va en dire plus. Alors, vous parliez du meilleur souvenir de votre carrière, donc vous disiez que c'était, c'était l'ensemble de la vie au quotidien à Nice, voilà, dans le club. Les gens que j'ai rencontrés. C'est difficile de trouver un moment. Au final, quand on a vécu autant de choses, c'est compliqué, c'est plus le quotidien, les rencontres qu'on peut faire, parce que c'est ça qui restera dans le foot. Alors, un petit mot aussi sur votre sentiment sur le projet mis en place. Vous avez vu découvrir un nouveau centre d'entraînement, donc il y a quand même, vous sentez une progression à ce niveau-là, au niveau du club, enfin même au niveau du classement. Avec le centre d'entraînement, c'était un passage obligatoire. Pour moi, c'est le plus important, c'est la base de tout. J'ai eu des dizaines et des dizaines de discussions avec le président, mais c'est vrai qu'à Nice, c'est compliqué, il faut trouver des terrains, ça coûte cher. Donc il a fallu du temps. Et aujourd'hui, ils ont un bel outil de travail et ça leur permettra encore de passer un autre palier. Mais on peut s'apercevoir que jusqu'ici, le président a toujours tenu
parole sur un surtout, enfin, par, plutôt ses engagements, c'est on va dire. Voilà, que, oui, oui. Voilà, chaque année, il y a de la progression au sein du club. Alors on va parler de votre ami avec qui vous avez commencé au Havre à 12 ans, Kevin Alain, que le club, donc il y a eu un grave accident de voiture, on le sait tous, hein, et qui depuis, le club a retiré le numéro 17, et à la 17e minute, on a toujours son image à l'écran dans l'Alliance. Est-ce que, parlez-nous un petit peu, comment il va en ce moment, est-ce que le moral est bon? Ouais, non, il va très bien, ça y est, ça a été compliqué. Déjà avant ça, Kevin, c'était quelqu'un qui avait... des fois, voilà, quelques petits problèmes. Et aujourd'hui, c'est derrière lui, il a accepté les choses, il va de l'avant et tout va bien. Le plus important dans ce moment-là, c'est d'accepter. Et une fois qu'on a accepté, on peut passer à autre chose et vivre avec. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et il s'épanouit pleinement. Il vous dit qu'il suit toujours les matchs du gym. Hein. Ouais, matchs bien sûr. Ouais, non, il regarde, il suit, c'est ce qui se passe. C'est insupportable. D'accord. On va passer aux questions des supporters. Donc par contre, s'il y a un club de votre côté, vous habitez à Monaco, donc il vous contacte sur Monaco alors. Hein. Exactement, c'est ça. On sait où vous trouvez. Okay, Monaco, Bretagne, ni sur ta peau. T'as réussi à bien tenir tout ce temps-là. Je crois que c'est la première fois que je viens, je te jure. La première fois que je viens. Viens avec moi. Tu vas lui poser une petite question alors. J'ai vu qu'il y a tes enfants, j'ai des bonbons, des renaises, tout ce qu'ils en veulent. C'est avec vous poser la question. Mais rends le micro, Georges, s'il te plaît. On a des questions, je crois. Virginie, une question? Allez. Didier, bonjour. Dis-moi, as-tu gardé contact avec les anciens joueurs? Avec certains, oui. Avec tous, c'est compliqué. Le foot, pour ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais oui, avec certains joueurs, oui, j'ai gardé contact, bien sûr. Eric, non. Non, au final, avec Eric, non. Mais Eric, lui, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pas. Donc, mais voilà, non. Malgré tout, je suis, dès que je vois une actualité ou quelque chose, avec grand plaisir, je regarde, je lis, je l'ai croisé cet été, par contre on a pu discuter, voilà, c'était sympa. Merci. Bonjour Didier, moi j'ai trois petites questions. Quel est le meilleur joueur que tu as croisé à l'OGC Nice? Ça c'est la première. Après, je sais que tu es fan de rap, et à l'heure actuelle, c'est quoi pour toi le meilleur groupe ou le meilleur chanteur de rap? Et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Et la troisième, c'est la pisse à la bière de Georges est bonne. Le meilleur joueur à Nice, je dirais Kevin Alain, parce que c'est au-delà du fait que c'est mon ami, c'était vraiment un joueur extraordinaire et qui aurait malheureusement pu faire vraiment de très grandes choses. En ce qui concerne la musique, sincèrement, un peu tout, je suis pas bloqué sur une personne ou un groupe ou tout. J'aime bien tout écouter parce qu'au final, on apprend des choses même. Des fois. Et la troisième question, la pisse à la bière de Georges. Moi, tu n'as pas goûté. Non. Si, je pense. Mais tout est bon avec toi, non? Oui, mais ne pense pas trop, tu vas avoir mal. D'accord, c'est vrai. Toi, ça va bien. Merci. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, une question pour ton avenir. Est-ce que tu privilégies plus un retour en France, dans le championnat français, ou une nouvelle expérience à l'étranger? Je préférerais rester en France. Après, la vie en Espagne, j'adore. Je pense qu'à terme, j'y retournerai. Mais je préférerais rester en France. Mais aujourd'hui, toutes les propositions concrètes que j'ai, c'est l'étranger pour l'instant. C'est toujours compliqué d'y répondre. En fait, tant qu'on ne les a pas sous les yeux, c'est toujours difficile. Après, oui, un club qui a l'ambition de remonter, qui est déjà placé pour remonter, si ce n'est pas un coup de poker ou quoi, ça peut être envisageable. Si je peux l'éviter, tant mieux. Et si je dois le prendre, je le prendrai.
ce que je veux, c'est rejouer, m'amuser, n'est-ce pas? Déjà, vous avez eu des propositions d'Amiens, enfin, c'est ce qu'on a vu dans la presse. Ouais. Donc, peut-être. Non, ça, je l'ai eu, c'était cet été. Oui. Ouais, c'était cet été, mais je pense que c'était pas le bon moment. J'ai repris très tôt de mes croisés. J'ai repris très tôt de la seconde intervention que j'ai eue pour mon ménisque. Et voilà, j'ai eu le besoin de bien soigner. Quand j'ai coupé, c'était la rentrée des classes et je suis resté en famille au final et j'ai pas réussi à décrocher. Et est-ce que si le club de logiciels te proposait une place dans le staff, ça pourrait t'intéresser? Non, j'ai encore envie de jouer. J'ai encore envie de jouer. À l'avenir, oui, pourquoi pas. De toute façon, ici, même à 80 ans, si on me propose quelque chose, je serai là avec grand plaisir. Didier, as-tu visité le nouveau centre d'entraînement? Oui, je l'ai visité. Il est très beau, mais je me suis entraîné là-bas aussi. Et non, c'est vraiment un bel outil de travail. Et voilà, ils n'ont plus d'excuses. Ils sont obligés de réussir maintenant. Allez, dernière question, et après on passe au selfie et aux autographes. Oui, bonjour Didier, une petite question pour le futur, pour les jeunes. S'il y avait un conseil à donner pour les jeunes qui rêvent d'être professionnels, quel conseil leur donnerais-tu? Avant tout, de par ton expérience. Déjà, rêver c'est bien, qu'ils continuent de rêver. Après, le plus important malgré tout, c'est d'être conscient que tout le monde ne pourra pas réussir et que l'école reste la priorité. Et le foot, c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est sur je ne sais pas combien de milliers, de millions d'adhérents en jeunes. Quand on voit le nombre infime qui finissent professionnels, il faut toujours garder le rêve parce que c'est important de rêver, mais il faut aussi avoir de la lucidité et ne pas délaisser ce qu'il y a à côté. Voilà, écoutez, Didier, on va vraiment vous remercier d'être venu parmi nous. Et puis on va l'applaudir maintenant, s'il vous plaît. Et puis on va vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse fête de fin d'année. Puis on se retrouve donc en 2018. Voilà, Issa Lissa, et je vous laisse avec Didier pour les messes. Pour les... Hola, mio bella Nissa, regina dei flu, li tiu vitori. Io canterai tu giù, cantai ai montagna, io ti utanri de co, li ti verdi campagna, li ti verdi.